Wesh les BG, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Comme vous le voyez, je suis dans une villa de ouf. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à aller voir mon Insta, même sur TikTok, etc. Je poste des trucs. En gros, on est parti à Ibiza avec la famille, avec Esteban, Timoud, Beware, Sly. C'est le seul qui est pas de la famille, mais voilà, ça fait plaisir. Sly c'est un poteau sûr, donc on voulait qu'il soit là. Et Matkev qui est mon frère. Du coup voilà les gars, on est dans une villa d'aller ouf à Ibiza. Et je vous ai demandé sur Instagram, j'ai fait une petite story, j'ai dit bon les gars, c'est peut-être le moment de tourner un petit peu des vidéos. Est-ce que vous avez des idées de défis pour chacun d'entre nous? Et vous m'avez bombardé. J'ai énormément de défis. Je pense qu'on peut commencer directement. Attendez, est-ce qu'on présenterait pas d'abord les frérots là? Hola Los Pepitos. Ils sont où les autres? Ok, bon, ils sont en train de faire la teuf. Mais du coup, voilà, les gars, la villa, en vrai, la villa, elle est incroyable. Hein. On a un giga salon comme ça. Il y a le dehors que vous avez vu et après, il y a les chambres. Franchement, elle est insane. Il fait méga chaud à Ibiza. C'est incroyable, j'adore. Alors, du coup, les gars, on va regarder un petit peu les défis que vous m'avez donnés. Et ben, le premier défi que je vois, c'est un défi pour moi. Fais 3 saltos dans le trampoline. Un défi qui nous vient de Lilia. Et ben, merci beaucoup, Lilia, pour son défi. Je vais réaliser ça immédiatement. C'est facile. Ok. 3 saltos d'affilée. Ça veut dire que si t'en rates un, tu dois recommencer à zéro. Ouais, 3 saltos d'affilée. Parce que les gars, c'est vrai que dans la villa, on a une petite aire de jeu, c'est une dinguerie. Ok. Oh. Ah bah, clairement pas validé. Les gars, ça commence mal. Ok, attends. Ah. Putain! Attends, j'arrive pas. 3 saltos arrière d'affilée, je le fais facile. Oh! Oh! Les 3 saltos arrière sont validés. Attends, j'ai la tête qui tourne là. Wow. Oh! 2 oh Défi validé les gars. Premier défi est validé, je suis déjà KO. Les amis, prochain défi, défi qui nous vient d'Alicia. Alors, elle a pas mis de nom. Du coup je vais choisir au hasard qui va faire le défi. Ça sera Matkev. Voilà, il est là-bas donc c'est parfait. Ton défi ça sera mettre un transat dans l'eau et rester dessus. Ok, je suis chaud. T'es chaud? Bah vas-y. Mais est-ce que les transats ça flotte dans l'eau? Déjà en train de me demander mais en bois là-bas. Celui en bois, mais le bois ça coule non? Ah oui, y'a moyen qu'il flotte. Ah, par contre, c'est ma serviette ça, frérot. Celle-là, elle va pas aller dans l'eau, moi je te le dis. Oh, c'est lourd. Oh. Mais. Oh! Attends, mais il flotte trop bien. Par contre, avec moi dessus, ça flottera. En fait, c'est ça le problème. Putain, les gars, qu'est-ce qu'on fait pas pour. Oh. Oh, attends. Oh, attends, c'est en train de marcher là. Là, je suis trop bien. Là, en fait, t'es pas en dehors de l'eau, mais tu flottes. Eh, mais comme ça, en fait, c'est agréable. Et en plus, tu peux bronzer. Kev, on vient d'inventer un truc. Hein. Clairement, c'est validé ça. Bon, bah, les gars, défi réussi. Et en plus, il est en train de profiter et de kiffer. Moi, je vais rester là-dessus. Mais... défi clairement validé. Il est trop chaud. Les gars, on va passer un prochain défi. Hein. J'ai l'impression que ça va être facile. Prochain défi, les gars. Défi d'Axel. Manger quelque chose qui vient du jardin de la villa. Alors, ça, c'est chaud parce que ça veut dire qu'il faut déjà trouver un truc qui se mange. Et je sais même pas s'il y a un truc qui se mange dans le jardin. Donc, à tout moment, il va devoir s'empoisonner. Ce défi, pareil, il n'y a pas de nom. Les gars, il est où, Sly? Il est à la douche. Ah, il est à la douche. Eh, hey, tu manges un tic? Oui, c'est vrai qu'il y a des tics, les gars, dans le jardin. À la base, il y avait un tic qui s'était accroché à ma jambe. J'ai dû aller à l'hôpital pour me le faire enlever carrément. Et ben, frérot, si Sly il est à la douche, tu sais ce qu'il traite à faire? Non, viens, il y a Non, non, tu vas venir avec moi, gros, j'ai un défi pour toi. On va aller dans le jardin, mon œuf. Attends, et... on trouve un truc comestible quand même. Bah, ouais, mais s'il y a pas de truc comestible, soit tu rates le défi, ou soit tu te forces à manger un truc. Hein. Eh, j'en ai rien à faire. Hein. Qu'est-ce que tu fais, lui? Ouais, t'inquiète, il en détente. Les gars, je crois que Kev a vraiment surkiffé le défi, en fait. Tu vois, à tout moment, toi aussi, tu peux kiffer le défi. Hein. Kev, à la base, c'était un défi. Regarde comment il finit, il est en détente. Toi, si ça se trouve, tu vas trouver un nouveau truc méga bon. Oh. Mais c'est Koh-Lanta, frère, j'avoue. On a fait par contre, on peut clairement faire un Koh-Lanta. Hein. L'épreuve de manger des insectes, c'est maintenant. Oh. Putain, mais hey, d'ailleurs, on a un vrai jardin. Le jardin, il est immense. Mais en fait, c'est sec. Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ah, bah regarde. C'est quoi? Des fientes de pigeon. Non. Si je mange une feuille d'un arbre. Tu veux grailler une feuille? Mais tu sais que tu dois l'avaler. Ouais, j'enlève la queue. On dirait que t'as l'habitude. À tout moment, c'est de la menthe. Oh. Tu l'as fait sans. On dirait du plastique, mec. Je crois que je vais pas réussir à la vallée, on dirait que je sais qu'il est obligé. Hein. Oh les gars, Piwer il va tomber malade. Ça va être la fin du voyage pour Piwer. Aïe! Putain, je suis en train de me faire piquer. Comment ça, il y a un goût? Genre comme les feuilles de menthe, sauf que là c'est pas de la menthe, c'est vachement amer. Les gars, si vous savez dans les commentaires. Oh, wesh! C'est quoi ça? C'est une sauterelle? Mais attends, gros, j'ai trouvé un nouvel animal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez bien? Attends, mais c'est trop marrant. Essaye de le prendre dans ta main. Oh, j'ai une notif. Défi qui me vient de Hugo. Prends le truc vert dans ta main, Piwer. Oh, wesh. Truc de ouf, le défi qui vient de tomber là. T'as vraiment eu ça? Ouais. Mais attends, mec, je sais même mais pas si c'est à vous. Vous voyez?
On dirait une sauterelle, mais imagine, ça me tue. Prends-le dans ta main. Non, c'est pas une sauterelle, frère. Moi, je prends pas ça. Hein. Mais si, prends-le. Non, je prends pas ça, c'est bizarre. Je crois que c'est une menthe religieuse. Les menthes religieuses, c'est grave dangereux. Oui, c'est dangereux, mais ça... en fait, les menthes religieuses, ça tue leur partenaire après avoir fait l'amour. Mais il va pas faire l'amour avec toi. Hein. Il va faire l'amour à ma main. Bah, il essaiera de couper un doigt. On a fait, je l'avalais. Hein. Attends, mais j'avoue que la. Ah, t'as des résvers sur la langue. Je sens que ça va sauter. Mais tu l'as mis où, frère? Mais t'es con. Il t'a piqué? Ah, j'ai marché sur un truc, frère. Fallait le prendre délicatement, mais t'es con. J'ai paniqué. Mais t'es pas délicat, toi. Regarde, j'ai marché sur un truc, ça m'a fait un trou. Tu t'es coupé. Bon bah, Piware, défi réussi. Merci, Piware. Les gars, on est vraiment prêts à tout pour vous, hein. Mais wesh. Oh là 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 là. Mec, t'es quoi? T'es BG, ça tombe bien. J'ai un défi pour toi, mon gars. Un défi qui me vient de Hamza, grimper un arbre. Il y a pas écrit cela, hein. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai décidé que c'était toi. Je pourrais pas grimper un arbre. Pourquoi? Déjà, je vais me salir. Ouais, j'avoue, t'es un peu trop beau. Ok, en vrai, t'as une excuse. Esteban, j'ai un défi pour toi, mon ref. Tu vas devoir grimper un arbre. Vas-y. Et d'ailleurs, les gars, j'avoue, j'ai pas dit. Piware, il vlog. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Dans tous les jours à 18h, il sort un vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il y a déjà plusieurs vlogs qui sont sortis. Il y en a encore un qui va sortir là bientôt, bah, à 18h. Vous connaissez. Faut que tu grimpes un arbre, mon ref. Je te suis. Celui-là? T'es un malade, frère. Faut qu'il y ait des branches. Mais là, il n'y a aucune branche. Hein. Oh, ouais, ça va, j'ai l'habitude à monter sur des arbres. C'est vrai que les gars, Esteban, c'est un grimpeur un peu. Hein. Celui-là, je pense que tu peux largement le grimper. Oh! Oh, il a trouvé une prise. Wesh. Ah ouais, mais tu montes quand masse. Attends, mais t'es un monstre. Bon bah les gars T'as pas un défi plus dur? Ah ouais, tu veux un défi plus dur? Non, c'est bon. Bah non, les gars, défi validé, hein. Eh mais attends, il y a une balançoire. Wesh. Gros, j'ai trouvé une balançoire dans notre villa. Il est dans l'arbre, je l'ai abandonné. Attends, mais les gars, en fait, je vous jure, on n'a pas encore exploré le jardin de la villa. Attends, je suis mort. Il y a une balançoire dans la villa, gros. Bon, après elle m'a pas l'air en méga bon état, hein. Let's go. Mec, ça marche, hein. C'est vrai? Bah ouais. Après, elle est pas en méga méga bon état, donc je pense qu'elle peut casser à tout moment, mais... Mec, je suis en détente. Timout! Oui! Viens me voir, mon copain. Oui? J'ai un petit défi pour toi. Un défi que tu ne vas pas aimer, parce que tu l'as déjà fait dans un de mes TikTok. Timout, mange le pire piment. Les gars, on a des piments dans la villa et on en a déjà mangé un pour un de mes TikTok. Mon ref, les abonnés veulent... Ça va faire le troisième, frère. Ils veulent te voir souffrir. Mon cul va souffrir. Y a pas de chichi, pas de blabla, je te sors les piments. Tiens, mon ref, je veux que tu cuisses avec la boîte. Ouais. Non, mais... En plus, ils sont bien sécos, bien rouges, là. Oh. Les gars, je vous le dis, il va pleurer. Mais ça fait le troisième en deux jours. Ça voudrait dire que tu serais le seul à abandonner un défi? Jamais j'abandonne. Je t'accompagne si tu veux. Oh. Vas-y. Bah attends, mais alors là les gars, on a deux défis pour le prix d'un. Un à trois. Un, deux, trois. Ah, le bâtard il l'a pas mis. Mais Timoun, c'est ton défi. Ah, tu sais, bon, tu l'as mis. En vrai, ça pique pas. Le premier qui pleure a perdu. Ça pique pas, hein? Non, jamais pas. Ça pique pas? Non. Ok, ça pique pas. Ça pique pas. Les gars, j'ai dit le premier qui pleure à perdre. Je pleure pas. Ah, j'ai peur. Mais attends, en vrai, vous êtes solide, hein. Ouais, ça pique pas. Genre, attends, mais tu ferais gaffe, tes yeux, ils sont en train de devenir tout rouges. Non, c'est juste parce que je suis triste. Frère. Ah, vous avez vu une mauvaise nouvelle ou quoi? J'ai envie de vomir, la vie main, j'ai envie de vomir. Sors la baguette. Oh, ah, wesh. Eh, hey, le premier qui pleure. Eh hey les gars, à la base c'est pour le barbecue ce soir. Hein. Et ce soir vous allez bien manger des merguez. T'es pas comment ils se baladent. En tout cas c'est super beau. Tu m'as l'air KO de ouf. J'ai trop mal au ventre, j'ai envie de vomir. Le premier qui vomit a perdu. Hein. Arrête. Bon bah les gars, on les a mis en PLS. Merci pour votre défi les abonnés. En tout cas, défi réussi. Là il s'est mis dans la merde pour rien. J'ai un autre défi pour toi. Rapproche le trampoline et il saute du trampoline à la piscine. Ça veut dire rester comme le trampo, il a un filet. Tu sautes au-dessus du filet en atterrissant dans l'eau. Au-dessus du filet. En vrai c'est incroyable. Eh hey mec, si tu arrives t'es vraiment un monstre. Attends, on va décaler ça. Je vais tomber là les gars. Attends, encore un peu plus. Ok, t'es prêt? Oh, direct. Attends. Oh. Mais wesh, c'est un malade. C'est trop bien gros. Attends. Mais gros, t'as même pas hésité, frère. Attends, refais-le. Oh. Oh putain. Oh là. Ça va? Bah ouais, ça va. Attends. Oh, t'as niqué le trampo. Mais non, regarde. Hop. Ah ouais. Il a voulu s'accrocher au filet, il s'est dit non c'est chaud et... En vrai le salto c'est peut-être dangereux, hein. Eh les gars, ce qu'on est en train de faire, ne le refaites pas chez vous, hein. Parce qu'en vrai, en fait vous venez de voir comment il peut y avoir une grosse catastrophe. Eh, tu fais quoi?
Ah les gars, je crois qu'il s'est malheureusement il a pris peur à cause de cette chute. Mais dans tous les cas, il avait déjà réussi le défi. Tu veux pas le refaire? En vrai je le referai plus tard là. Faut que. Wesh il fait quoi du coup? J'ai trop chaud. Beware, c'est parfait que tu sautes dans l'eau. J'ai un défi pour toi. Beware, il faut qu'il y ait une troisième personne qui va dans l'eau, les gars. Vous essayez de faire une tour dans la piscine à 3 ou plus. En gros, il faut que ST il monte sur tes épaules et que quelqu'un monte sur les épaules d'Esteban. Ok. Vous devez faire une tour à 3. Qui est chaud? Timou, tu vas dans la piscine? Faire quoi? En gros, il faut faire une tour à 3. Vas-y. Mais hey, ça me termine, les gars. Il y en a aucun qui est en mode oh ouais, non, la flemme. Ils sont tous en détente. ST, toi, tu vas aller tout en haut parce que t'es le plus léger. Je fais le bas. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. T'es sûr que je monte sur tes épaules? Oh là! Ok les gars, je vous regarde. Oh. Ah du coup c'est Kev qui monte sur Beware? Ouais, on a inversé. Ah mais j'avoue, il y a un petit rebord, vous servez du rebord. Eh, vous êtes intelligent. Mais attention. Faut que tu te mettes en apnée un peu Pierre, je crois. Ok, attends, 3. Ouais. Il va se noyer. Oh. Oh les monstres. Attends là, faut juste que Pierre il remonte. Il arrive pas. Les gars, il est en train de se noyer. Oh. Ils ont réussi. Oh, ils ont réussi. Ah mon temps, je te jure, j'ai cassé. Mais hé, toi, il a failli se noyer. Hein. J'arrivais plus à sortir de l'eau quand j'avais les deux. J'étais comme ça. Alors les gars, vous avez été plusieurs à me dire sauter du toit dans la piscine. Esteban doit sauter du toit jusqu'à la piscine si c'est possible. En vrai de vrai, saut sur le toit, ça me paraît quand même vraiment très très compliqué. Hein. Il faut sauter jusqu'à... Ouais non, c'est chaud, sa mère. Ça part vraiment loin. Frère, le sol c'est de la lave. Ah ouais, bah pour le coup ouais. Ah mais ouais, même merci. Ça, ça brûle. Ouais, tiens-le, tiens-le. Ah, mais ça brûle ça. Okay. Tu le tiens bien. Hein. Ouais. Oh. Ça y est. Attends. Je glisse. Non. Je peux le faire, ça marche. Sérieux. Slide, tu peux pas me pousser mes pieds? Monte sur le rebord et pousse-moi. Oh, oh, il l'a mis. Je t'ai calé en wad. Attends, attends. C'est mort. Calé en wad. Envoie ma claquette. Regarde, je t'ai fait un petit au cas où tu tombes. Oh, super. C'est impossible. Elle est beaucoup trop loin. Au pire, les gars, rapprochez la piscine. Ah. Ah, regarde, c'est impossible. Eh, ramène le trampoline. J'ai un défi de ouf. Tu mets le trampo au milieu, je saute sur le trampo, j'atterris dans la piscine. Il est complètement fou. Eh, tu meurs. Je suis prêt à tout. Eh les gars, ce qu'on refait, je précise vraiment, ne le refaites pas. C'est fait par des professionnels, vous inquiétez surtout pas. Mais en fait, j'ai peur de passer à travers. Mettez des coussins en dessous au cas où, non? Ouais, mets des coussins en dessous du crampon au cas où. Regarde, il est safe. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 3 coussins. Il risque rien. Mais les gars, vous avez vraiment mis des protections. Il y en a grave, genre, il y a au moins 100 coussins, genre. Mais... Bon, les gars, au bout d'un moment, faut y aller. Ah! Allez! Oh, allez! Oh, putain! Ouais, je vais dans la piscine! J'ai réussi! En par contre, le choc, il était incontrôlable. Quand je suis atterri sur le trampoline, c'était incontrôlable. J'ai pas pu contrôler l'endroit où j'allais. Bon, je suis deck, j'ai mouillé mon caleçon. Oh non! Mon caleçon de loin, de loin. Oh non! Parce que les gars, j'ai oublié mes caleçons dans la valise. Du coup, on a dû aller acheter des caleçons. Et c'était de loin, de loin. Je crois que c'est Calvin Klein, mais c'est la nouvelle version, quoi. Les gars, je l'ai fait! Let's go! On peut l'applaudir! Timout, j'ai un défi pour toi, mon ref. Parce que les gars, pour vous expliquer, Timout nous a rejoint un jour après à la villa. Parce qu'à l'aéroport, il avait oublié sa carte d'identité. Et j'ai un défi par rapport à ça. Du coup, en fait, il avait pas pu prendre l'avion. Il a dû aller rechercher sa carte d'identité et prendre un avion le lendemain. Et j'ai un défi par rapport à ça. Non, pas reperdre ta carte d'identité. Okay. Mais prête. Pour Timout, cacher sa carte d'identité et il doit la retrouver. Tu me files ta carte d'identité et je la cache quelque part dans la villa. Et j'ai quelques indices au moins. T'auras 5 minutes pour la retrouver. Et je te donnerai à chaque minute un indice. Tu commences à chercher sans indice et après, je te donnerai des indices petit à petit. Ah, tu dégoûtes. Ça, alors, c'est ta chambre, ça? Oui, c'est ma petite. Ouais, c'est un petit peu le bordel, j'ai l'impression. Hein. Timout, carte d'identité, s'il te plaît. Les amis, j'ai la carte d'identité de Timout. Le monteur, je compte sur toi pour flouter. Regardez la gueule que j'ai. Attends, Timout. Timout, c'est quoi cette tronche? Et t'as changé quand même. Hein. Et bah, tu vas rester dans ta chambre. Pendant ce temps-là, tu ranges ta chambre parce que c'est le bordel. Hop, ok, les gars, je dois cacher sa carte d'identité. En vrai, j'avoue, j'ai fait le défi, mais j'ai aucune idée de où la cacher. Slide, t'as une idée où je peux cacher sa carte d'identité? Attends, j'ai peut-être une idée. Je la fous dans le vase. Je pense qu'il va arriver, il va voir directement. Tu crois? Ouais. En vrai, je peux la foutre partout. Hein. Oh, derrière un tableau. Attends, est-ce que en plus je pourrais l'accrocher nickel? Je la mets là, regarde. C'est bon, il a rien. Attends, mais le tableau il est plus droit, gros. Tu peux le remettre bien? Ouais. Mais putain. Attends, tu peux pas le mettre là, genre? Si, on va le mettre là, non. Elle tient là. Oh, ah ouais, tiens. Après, on la voit un peu. On la voit un tout petit peu, les gars. Oh!
Bah il est où? Attends, mais il a vraiment rangé sa chambre en plus. C'est un bon élève. Par contre, tu me prends pour un con ou quoi? Tu fais comme mon ref? Ah t'es là? Tu sais que je te vois. Ah t'es là? J'ai caché ta carte d'identité, frérot. Bon, t'as vraiment rangé ta chambre, tu le termines. Bah j'ai juste T'as fait le lit quoi. Gros, ta carte d'identité peut être n'importe où. Déjà, je te donne un premier indice, dans la villa. Mon ref là-dedans. Oh, tu sais que j'ai failli la cacher là. C'est vrai? J'ai hésité à la cacher là, j'ai bien regardé ici. Non. Dans le frigo? Pourquoi dans le frigo? Frère, t'es déjà frais, j'ai pas besoin de te mettre dans le frigo. Celle-là, elle est pas mal, elle est pas mal. Tu sais que tu me tues parce que tu regardes à tous les endroits où j'ai failli la cacher. Moi, je te mets un chronomètre. On a un avion dans 5 minutes. Si tu trouves pas ta carte d'identité, tu rentres pas en France. C'est parti, démarrer, let's go. Ça fait que 5 minutes, mon ref. 5 minutes pour trouver ta carte d'identité, frérot. Pourquoi tu regardes? Bah attends, c'est la mienne ça. Mais ça chien. Il a pris ma carte d'identité, enculé. Non, ma carte. Bah frère, t'es con, t'es dans un cul-de-sac. T'es vraiment con. Non mais hé, hey, Timo, depuis tout à l'heure, tu fais le con. T'as plus 4 minutes 30. On passe à côté, ça. Allez, on s'active là. T'es dans la bonne partie de la ville là. À partir du salon, elle est plus là-bas. Voilà, à partir du salon, elle est pas là-bas. Non. Il te reste 3 minutes 50. Hein. T'as regardé dans le chauffage. Ok, non, elle est pas là. Pourquoi tu me fouilles? Non mais. C'est les fesses, là. Attends, ça, il en a trop. Il te reste 3 minutes 30, nouvel indice, elle est pas dans le salon. Gros, t'as un avion à prendre, frère. Oh putain, dans les chiottes. Imagine, je t'aurais mis dans les toilettes. Je t'aurais détesté. T'as un peu une tête de merde, donc pour revoir. Super. Je suis en train d'y penser, les gars, trouver une carte d'identité, c'est trop. Du coup, ça passe partout. Ouais, ça c'est vrai, ça passe vraiment partout. Bon. Mais gros, t'as regardé. C'est quoi ici? Je sais même pas c'est quoi cette porte. Timou dans 2 minutes 45. Eh mais là je sais plus quel indice te donner hein. Là tu sais que c'est dans cette partie là de la villa. Et eh ben elle est pas dans une chambre. Bah ça demande. Gros, il te reste 2 minutes 10 là. Je suis trop con. Sous le tapis. Tu sais que j'ai failli la cacher sous le tapis hein. Oh, il a bien regardé les deux tapis. Ouais mais elle est pas là mon ref. Il te reste 1 minute 33. 1 minute 30 Timou. Là genre. Gros, tu m'as l'air en galère. Hé, hey, Timou, t'es vraiment trop nul. Toi, tu sais où aller? Un coup d'œil, je l'ai trouvé. Tu l'as vu? Ouais. C'est trop facile. Mais c'est la sienne. Non, non, c'est la tienne qui l'a trouvé. C'était vraiment la tienne, tu voyais ta grosse tête. C'était vraiment la tienne. Timou, c'est chaud. Il te reste 1 minute, Timou. Petit indice, t'es chaud. Là, t'es chaud. Non, là, tu commences à te refroidir, frérot. Là, tu réchauffes, Oh my god. Elle est pas là. Hé, hé, dans 36 secondes. Non, là, t'es chaud, mais c'est pas là. Elle est où? Où elle est? Mais vraiment? Mais elle est où maintenant? Mais gros, il te reste 20 secondes! Tu réchauffes! Oh, il est là! Timon, il t'a eu l'avion! Pas comme si le cerveau il était comme ça en plus. Ouais. Le pire c'est qu'à la base elle était bien cachée derrière et petit à petit elle s'est retrouvée comme ça. En fait j'ai couru et j'ai pas fait gaffe à ça. Mais tu sais que ça me tue parce que t'es passé mille fois à côté. Hein. Oui. Tiens. Dire son plus gros secret. Piware, j'ai un défi pour toi Piware. Tu dois dire ton plus gros secret. Je me suis déjà posé la question sur ma sexualité. Quoi? C'est vrai? Non. Vas-y, des faux espoirs. Attends, comment ça il fait des faux espoirs? Comment ça t'es tellement déçu? Non mais je suis déçu pour la vidéo hein. Enfin pour ta vidéo quoi. Ouais genre moi c'est pas vrai. Parce qu'il dit des trucs pas vrai alors c'est un gros secret qui devrait être vrai. C'est tout. Pourquoi qu'il devrait être vrai? Vas-y, casse les couilles. Esteban, j'ai un défi pour toi, mon ref. Dis-moi tout. Pour Esteban, faire l'aller-retour de la piscine sans remonter à la surface. Ouais, je vais grave me taper le rebord. J'avoue, c'est chaud dans cette piscine parce qu'il y a un rebord. Là, elle fait peut-être 1m50 de profondeur et là, 50 cm. Du coup, il y a 1 mètre ici. T'as une technique? Je vais nager avec un bras comme ça. Bah, en vrai, tu vas être obligé. Hein. Ah non, elle est froide. Est-ce que t'es prêt? Oh, c'est parti! T'es vrai, son bras là. En vrai, c'est bien, c'est que là, il est à la surface de l'eau. Il est pas sous l'eau. Par contre, là, il nage très lentement. Le fait d'avoir son bras devant, et là, il va devoir faire le retour, les gars. Là, ça va être chaud. Hé, hey, tricheur. Mais t'as loupé là. Mais je respirais pas. Bah oui, mais même, c'est de la triche. Tu dois rester sous l'eau parce que je peux pas vérifier si tu respires. Il faut que tu partes de là. Comme ça, au début, tu fais pas attention, tu nages méga vite. Là-bas, tu peux vraiment te retourner sous l'eau. Et après, tu nages avec ta main devant. Je te donne la strat. 3, 2, 1, let's go. Ok, c'est parti. Là, il est sous l'eau. Là, il a de la vitesse. Là, ça va vite. Par contre, il est en train de se décaler. Il ne sait pas, mais. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Ah, je me suis carrément fait dans ma respiration. J'allais trop vite, sauf que mon corps, il faisait. Est-ce que, ST, tu serais le premier fail de la vidéo? C'est mort. 3, 2, 1. Ok, il a bien pris sa respiration. Il est parti. En fait, ce qui est bien, c'est que le lancement, là, il est déjà à la moitié. Et je deviens commentateur expert. Ok, il met sa main devant. Ça perd un petit peu de vitesse. Il est en train de se décaler. Ok, non.
maintenant c'est bon. Il va toucher pile dans le coin. Là il va se retourner. Ok. Ça repart. Il a toujours la tête sous l'eau. Et là il sait qu'il peut nager vite. Il sait. Attention, il se décale, il se décale. Non, c'est pas le bon rebord. C'est pas le bon rebord. C'est pas le bon rebord. Non, j'ai le seum. Oh, le seum de ouf. Bah gros, faut que tu refasses. Et si tu me entends crier, tu sais hein. Un petit message pour la communauté. La natation ça crève beaucoup hein. T'es là pour surpasser tes limites, Esteban. 3, 2, 1, let's go! Ok, c'est parti. Les lancements. Oh, là, il y va en mode très très serein. Attends, il met pas sa main devant. Il met pas sa main devant, il trace. En plus, il va assez droit. Ok, il est toujours en apnée, les gars, c'est parfait. Il est en train de changer de côté. Attends. Mais attends, mais là, c'est un perfect. Hein. Là, c'est un perfect. Hein. Mais wesh. Mais wesh. Mais wesh. Oh! Le perfect. Bow. Bah frère, incroyable. C'est mort, je reste pas sur une défaite. Eh mais tu sais que, honnêtement, en lisant le défi, c'était pas le défi le plus impressionnant. Mais au final, je comprends ta galère. Nager dans l'eau, ça te prend énormément de temps. Mais là, tu dois être chaos, ça, mais oh. Les gars, je crois que tous les défis vont être respectés, honnêtement. J'ai un avis pour toi. Comment ça, c'est le défi des amours? Non. Tu fais 20 tours de la maison en courant, pieds nus. Mais t'es un chien. Oui, mais oui. C'est le défi des amours à la base. Oh, j'ai le seum, le problème. Non, mais y a un problème. Non, y a pas de problème, y a pas de problème. Mets tes pieds là. Ça choque, là. Mais 20 tours. 20 tours. Et en vrai, les gars, tout le monde a respecté ses défis. Je vais respecter mon défi. Bip. Allez. Attends, mais 20 tours, ça va durer une heure. C'est surtout que je le fais avec toi, en fait. Ah, ça pique. C'est chaud. Aïe. Ah, c'est chaud. Allez. Ah, mais à pieds nus en plus. Oh. Moi j'ai déjà fait un tour. Mais frère. Mais ça fait méga mal. Oh. T'es prêt? Non. Mec, non, mais tu sais que là il nous reste 19 tours. C'est interminable. Allez, go. T'es pire que marcher sur. Regarde, il fait de la samba. Après, tu me diras, t'as pas une meilleure allure que lui. Baila, 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 se necesito la boca de gracia. Ça fait trop mal. Una boca de gracia. Ah, là, il y a un vrai changement. La noche. Une étoile. Montre un peu. T'es un peu mon étoile dans les yeux. T'es ma star. Pas mal. Mais wesh. Oh. Et t'es clon, ça fait du bien. Hein. Mais c'est horrible. J'ai des trous qui se creusent dans mes doigts de pied. Mais carrément, t'as du sang là. Ah. Là, c'est que 3. Hein. Oh bien, faites-en 10. Ok, c'est faisable. 3, 2, 1, go. Samba. Samba. Ça m'est. Ah putain, y'a un caillou qui est rentré dans ma croque. Les gars. Non mais là on s'inflige juste du mal pour rien là. Au pire dernier, ça fait 5 tours. En vrai on aura pas réussi le défi. Ok, c'est notre dernier tour. Là on fait la course. Le premier qui arrive dans le salon de la villa en faisant le tour ici. T'es prêt? Et celui qui arrive en dernier, il fait les 5 restants. 5 derniers tours. Ok. Je vais perdre hein, j'annonce hein, j'ai trop mal. 3, 2, 1, go. Aïe. Oh c'est bon. Aïe. J'ai trop mal. Aïe. Let's go. Let's fly. Quoi? T'as une bite dans la main. Quoi? T'as une bite dans la main? Frérot. Oui. Prends ça dans la villa, les gars. Gros, mes pieds là, c'est trop. Oh! Wesh! Oui. J'ai perdu des bouts de peau, je crois. Mais ouais, regarde là. Frère, je peux pas. Oh, c'est comment ça, tu me bats? Je suis brûlé, je crois. Mais même moi. Je crois qu'on va avoir des cloques sur les pieds, gros. On va vous montrer à quel point c'est brûlant. Nouveau défi. On va faire un cuir, un œuf sur la table. C'est exactement ce que je veux. Incroyable. Mes frères! Ok, Timout, ton défi c'est manger l'œuf qu'on fait cuire sur la table. D'accord, pas de soucis. Oh. Oh, il est beau! Ça va être une méga omelette. Hein. Attends, mais en vrai, c'est pas tellement en train de cuire là, je suis en train de réaliser. Vraiment, faut attendre. Hein. Eh, mais regarde, ça commence à devenir blanc là un peu. Ah ouais! Ouais. Ça commence vite à cuire! Mais hey, ça me fume. Les gars, le temps que l'œuf y cuit, c'est pas terminé, on continue les défis, on enchaîne. Faut que Piware fasse un salto arrière dans la piscine. Ça va être très drôle parce que les gars, les saltos de Piware, ils sont horribles. Piware, défi. Non mais je suis là, je fais mon vlog tranquillou, j'entends Piware salto arrière. Et bah ton vlog, tu le finiras plus tard. Je veux que tu fasses un salto arrière maintenant tout de suite dans la piscine. Ouais. Allez là, plus vite. Oh. Non mais attends, un salto arrière. Salto arrière d'ici. Ouais. J'ai pas assez de recul pour faire le salto. Attends, mais... tu vas faire du trampoline. Oh. Attends, mais il va se tuer là. Oh. Oh, en vrai, c'est le premier salto arrière. En vrai, il a réussi. Ouais, je crois que c'est le premier salto arrière qui gère. C'est le premier, ouais. Et attends, juste pour voir, pour comparer, fais un salto avant, mais du bord. Vous allez voir, les gars, ça va être une catastrophe. Eh hey, mec, t'es trop chaud. On lui dit avant, t'es arrière. Hein. T'es trop. Attends, j'avoue, t'as fait ça le temps arrière. Ah, t'as dit avant. Eh, laissez tomber, il est con. Galé. Attends, il en est où l'œuf? Petit à petit, hein. Mais il s'est un peu trop étalé en fait. Mais alors que pourtant, gros, tu mets ta main.
Mais mec, c'est abusé. Non, ouais, ça va. Hein? Ah on est tous brûlés. Les amis, je viens de trouver un nouveau défi. Fais un giga plat sur le ventre. Du coup, j'imagine que c'est un défi pour moi. Tidiane, je vais faire le meilleur plat de France, frérot. Mais en vrai, les plats, c'est horrible à faire. En plus, tu sais d'avance que tu dois faire un gros plat. Mec, c'est dur. Hein. Le plus gros plat de France et d'Espagne. On a Ibiza, mon ref. Oh, oh, j'ai pris une tarte. Oh. Ah, ça m'a assommé. Ah, alors, la vie, en tout cas, le bruit, le bruit, mon gars, du plat. Le plat. Ah, en fait, le ventre, ça me pique. Mais le pire, c'est la tête, je crois. J'ai pris une tarte au niveau de la tête. La vie, ça m'a assommé. Mais là, pour l'instant, ça va. T'as pas pris genre la couleur rouge tout de suite. Ouais, en vrai, je m'en sors bien. C'est en train d'arriver, ça se voit. Là. Allez, j'en refais un sur. Non. Rêvez pas, les gars, rêvez pas. C'est mort. Bon, on va passer à des prochains défis. Allez. Timout ? Ouais ? Est-ce que ça serait pas le moment de regarder l'update de l'œuf ? On va voir ce que ça donne l'œuf. Bah franchement j'ai pas envie de le manger. Ah mais écoute. Franchement je vais pas le manger. Ah. C'est pas cuit du tout. Si c'est cuit en vrai, c'est un peu dur. C'est pas cuit. Oh, c'est en vrai c'est mieux qu'un œuf cru non ? Oui. Ah. Ah. C'est méga dangereux. Hein. De quoi ? De manger ça. Les gars, si Piware et Timoud sont malades dans le séjour, vous saurez pourquoi. Oh, ça me dégoûte. Mais en vrai, c'est mieux qu'un œuf cru, non ? Bah, je vais te dire. Imagine, on a inventé une nouvelle recette. Papa, maman, je vous aime, ça a été une belle vie. T'es en train de tester un nouveau truc innovant. C'est pas cuisson barbecue. À ce moment-là. Attends, Timoud, ça va ? Ah, t'as colonnant en plus. T'as envie de goûter? Oui. Ok. Non, t'as dit que j'ai... Pour 3. Vas-y. Si ça tombe sur le même chiffre, c'est moi. Vas-y. 1, 2, 3, 2. Putain. 1, 2, 3, 1. Oh. Allez, tu grailles. En fait, je veux voir si Timout il en rajoute ou si c'est vraiment dégueulasse. Non. Mais en fait, le goût, le pire, c'est que ça vient après. 1, 2, 3, let's go. C'est le mental. Oula. Attends, c'est super bon. Oh, les gars. Mec, oh Dieu. Eh hey, les gars, je goûte. Eh hey, vas-y, j'ai envie de goûter. Ouais. Les gars, je me forcerai pas à le manger si c'est dégueulasse. J'ai juste envie de voir le goût que ça. On dirait du caramel tellement c'est. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'ai des relents. Oh. Voilà, tu vois. Tu l'as dans la bouche. Oh. Et quand j'essaie d'avaler, ça colle. Et j'ai des. Oh. Mais moi, je l'ai avalé. Hein. J'ai réussi à l'avaler, mais c'est. Ah. C'est pas comment j'ai fait. Hein. Tu retrouves un peu le goût d'œuf. Par contre, ça sent l'œuf pourri. Tu vois le goût des Jelly Belly œuf pourri. Ouais. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça colle encore en plus. Oh, c'est horrible. Et ben les frérots, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. C'était une petite vidéo détente. On est en mode vacances entre nous avec les refs. On s'est fait un petit peu souffrir. Toi, t'as kiffé? Ouais, donc. On a kiffé. L'œuf, le piment. Horrible. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu des inégalités au niveau des défis, j'ai l'impression. Mais voilà, c'était une petite vidéo détente pendant les vacances. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. J'aime bien revenir à des vidéos un petit peu concept de base, tranquille, chill de ouf. Parce que sortir tout le temps des grosses vidéos, ça met la pression. Et même là, c'est bien. On est entre nous en détente, j'ai l'impression. Je trouve ça cool. Bref, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Encore une fois, il y a les vlogs tous les jours sur la chaîne de Piware, Timout, Sly, etc. Ils vont sortir aussi des vidéos de leur côté, je crois. Et voilà, nous on se fait plein de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao les boys, vous êtes des cracks. Ciao. Ciao.